la bonne note. Ça change absolument rien. De Gaulle, pour ton service dans l'armée, tu as fait l'objet des... Pourquoi mon écran est ultraviolet? Décoré pour ton honneur, tu as fait l'objet des éloges de ton commandant, qui regrettait de te voir gâcher ton potentiel dans l'infanterie générale. Tes aptitudes linguistiques naturelles et ton esprit vif ont attiré l'attention du recruteur d'une agence qui n'existe pas officiellement. Habitué aux opérations confidentielles, tu as passé ces dernières années en mission à l'étranger pour le compte du département d'État des États-Unis. Capable d'une présence charismatique, un instant et de passer une personne suivante, tu es toujours prêt à intervenir sur le terrain, au lieu de te terrer derrière un bureau. Après avoir passé haut la main tous les tests d'aptitude, tu as décroché ton premier doctorat avant tes 20 ans. C'est exactement moi, ça. Engagé par la CIA pour concevoir des appareils électroniques de pointe, tu t'es vite lassé de l'environnement stérile du laboratoire et tes supérieurs ont fini par accepter de te transférer au service clandestin. Grâce à tes prestations remarquables sur le terrain et ton affinité pour la technologie, ton contact n'a pas hésité à te recommander pour une mission top secrète. Intrépide de naissance, la seule chose à t'avoir jamais causé un soupçon de panique est l'idée de te retrouver coincé dans un bureau sans perspective d'avenir. Après des études remarquables, tu as disparu de la circulation pour faire fortune. Si l'on en croit ton dossier, tu as été mercenaire en Afrique, garde du corps du sultan du Brunei, amant occasionnel d'une princesse européenne et détenteur de 4 brevets d'invention de Grande-Bretagne. Même si tu n'as jamais voir ton véritable visage, une chose est sûre, tes prouesses ont attiré l'attention des figures professionnelles. Ouais, ça c'est au bout d'un... Ouais, on est que dalle, quoi. J'ai envie de tenter ça. Combien j'ai de points? Ah non, j'ai 0 points. Où sont les... Il n'y a pas de compétences de... Ok, je suis fort au fusil à pompe. Oh, je suis vraiment nul. Ouais, ça d'accord. Ah, okay. Ah oui, d'accord, ça c'est combattant. Ah ok, freelance on fait... Ah, ça peut être pas mal freelance. Pour, on va pas la suite. On va avoir améliore les dégâts infligés pour toutes les attaques à main nue. Enchaînement permet d'exécuter des coups rapides, à la suite des autres, on a plus rien.
Chaque niveau s'est amélioré, augmente la gravité des blessures que Mike peut endurer avant de mourir. Ah oui, d'accord, bah c'est juste la santé. Médecine, améliore l'efficacité des soins, des trousses de secours. Ouais, ok. Rechambrement s'applique à toutes les armes de Mac et permet de sauver une survivante dans leur chambre. Permet de dépasser. Ok. Il me reste 3 points. Une maîtrise d'un te permet de régler la direction de leur explosion. Utile pour éviter l'embarras et l'accident potentiellement fatal causé. Ouais. Je suis pas fan de ces gars. If anyone is to blame for these events, Mr. Thornton, it is you. Y a pas de sous-titres? Alpha Protocol began here, after all. J'ai peut-être pas dû les activer. Attends. Ah, je peux pas. Et où le portable? Tu parles à quelqu'un, tu passes à une conversion chronométrée, choisis une attitude, suave, agressive, professionnelle, ou une action, on va être pro, hein. Ah, ou une attitude spéciale, ok. Hey, mais j'ai mis B. Ah, ok. Where am I? You're locked in our medical bay. And when the guards find out you've regained consciousness, they'll put you under again. Don't want that. Any reason why you're helping me? Mina. Let's just say I'm not a fan of the indoctrination procedure here. All the more reason to leave, then. And how do you propose to do that? You're locked in. There's a guard outside. Eventually, he's going to come check on you. And when he does... Distraction. Can you distract the guard? Unlock the door. I could. A glitch in the security panel in the hall outside might do it. As long as you don't make too much noise when you leave, you might take him by surprise while he's checking it. Disabling the security system now. The door.
door should be unlocked. Ah voilà, là, là on est furtif. Tu m'as énervé. Ah. Utilise L pour changer le circuit et A pour déconnecter un circuit. Ah oui d'accord, c'est un espèce de labyrinthe, ok. Le 2... Ouais d'accord, tu le fais tout seul. Ouais, il faut d'abord faire le 2. Non mais j'ai compris. Ah oui d'accord, faut que je mette A. Ok. Ouais. You need to shut off the alarm. The panel's on the wall. Do a bypass on it. Oula, le 3 il a un instructeur. Ouais. Mike, careful. They probably have a guard in the lobby. Ok. Ah, on peut pas ramasser leurs armes. Et on peut pas les bouger. Comment il m'a repéré, lui? Ah merde. Et j'ai plus qu'un PV. Donc c'est le même... Ah non, pas tout à fait. Okay. Oops.
Ah, ça fait pas de l'expérience tout à l'heure, ça avait fait de l'expérience. Ah oui, d'accord. T'es qui, toi? Utiliser LT pour pousser une broche et RT pour la mettre en place. Aligner la broche le long de la ligne de césure pour la mettre en place. Ok. Si c'est te mettre une broche mal alignée, le crochetage sera plus difficile, la limite de temps se diminuera. Aligne toutes les broches pour crocheter la serrure. Ah oui, ça fait du bien. Ah d'accord, j'ai un bouclier, ok. Sign of our new arrival? No sign of him yet. Careful, Mike. Truck coming in. And guards at the exit. Try to stay out of sight if you can. Écoutez, pas besoin. Il va bien. Oups. Les objectifs, virer des fonds sur ton compte ou désactiver les systèmes de sécurité. Trouve les deux codes dans le flux de données. Ok. Pour déplacer les deux séquences du haut. Fais correspondre le code avec son jumeau. Verrouille le code à gauche. Ok. Quand la main est là, le code change de position. Si le temps s'écoule complètement, une alarme se déclenchera. Valide les deux codes pour pirater un terminal. Ah oui d'accord, je peux... Parti lui. Ma petite va bouger. Okay. That's enough. I think that's my line. What the hell's going on? Why did you drug me? We need to keep the location of this facility confidential, especially if you get kidnapped and questioned. You mean like now? Real friendly welcome to a new recruit. We're not in the business of making friends. Judging from your dossier, neither are you. Let me guess, you're not done hazing me yet. Yep, I'm gonna ask you some questions, run you through some more tests, then you and I can talk face to face. That make you feel better? I don't need any more tests, and you know it. Just give me the mission, and let's do this. Good to hear. I was a little worried. You need some more time to recover. Still, we need to brief you on your gear,
weapons, and your security clearance. Won't take long. I've been reading and rereading your dossier. Your file makes you seem more like a tourist than an agent. Your passport must have been stamped twice over. The stamps are just for show. I can't confirm or deny I was ever in any of those places, nor were there any witnesses. Well, I hope you like going where it's hot. And I'm not talking about hell, but someplace close to it. I thought I was already there. Spoken like a man who doesn't care about his career. Good. If you gain more experience in the field, you may want to specialize further. But we can leave that until you've got some missions under your belt. That's it. Now I'm going to let you out of the pen here and meet the rest of the crew. I'd prefer an assignment, not a meet and greet. How about you earn it first? And that means following orders, got it? The rest of the crew will take it from here. They'll be running you through the basics of weapons, gadgets, and espionage tactics. When you're cleared on the basics, come find me for your assignment. I won't lie to you, Mike. It's a big one, and dangerous. But I think you're the man for the job. Make the rounds. I'll see you soon. Alors, j'ai 10 points. La compétence permet de courir sans... Oui, ça je prends. Attends, je sais pas utiliser les flingues. Qu'est-ce que c'est, armes assurées ? La compétence enchaînement permet de donner plus de coups rapides les uns à la suite des autres, en appuyant au niveau novice de ce cabinet, enchaînement alimentaire de Mike. Augmente de 3 à 4 coups. Ok. Ça ajoute un coup. Résistance, chaque niveau de santé. Oh, on peut prendre de la santé. Oh, c'est pété ça. Ça je le prendrai après. Prendre de la résistance. Oh mais attends, je peux... Tu as essayé d'utiliser l'approche professionnelle de tes premières endurances plus 5. Ah. Ah d'accord. Oh, il y a des stats et tout. Je suis pas précis au pistolet, ok. Oh, c'est quoi ça? Piratage le plus rapide. Ouais. Annulé, pas quitté. Bah si. Oui. Big ass screen. No weapons past this point. Bon, après, voilà, je peux. Utilise le casier pour changer d'apparence. Ensuite, va suivre ton initiation ou retourne à ta mission. Oui. Ah, on peut, d'accord. Ah, d'accord. On va prendre une fille. Ouais, c'est pas non plus la folie. Les... Ça, c'est coiffé, ça. Ouais, Benny B, trop cool. On peut même pas choisir la couleur des... Ouais, bah du coup...
Oh, y a pas de... Merde. Orientation's not mandatory. You can turn around and go back to Westridge right now. Although that might make him upset. Merde. Regardez ici. On va mettre le chat comme ça. Je vais garder Discord pas loin. Merde, j'ai enlevé le chat. Eh, revient le jeu, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? You might want to take it a little easier when you escape next time. Là. À tout personnel, l'infirmière interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre. Veuillez informer votre responsable. Attention à tous, on a confirmé que l'acheteur du paquet est un agent d'Al-Samad. Apparemment, le vendeur opère sous le nom de Nasri, Samir Nasri. Recommandons de suivre la piste de ce Nasri pour déterminer la source des fonds. Attention à tous, l'équipe de scientifiques a fini d'examiner les sites de lancement présumés qui avaient été... bonne nouvelle, c'est que l'hypothèse... C'est un missile téléguidé, aucune chance qu'une roquette non guidée ait pu frapper l'avion de ligne à cette altitude a été confirmée. On a retrouvé un sabot endommagé et des particules. Aucun système de sol, ok. On sait pas qui, d'accord. Une technologie de nouvelle génération. Il s'appelle, c'est moi ça. Mike a travaillé pendant plusieurs années en tant que contractant pour le gouvernement américain. En d'autres termes, il a voyagé aux quatre coins du monde pour accomplir des missions que le gouvernement américain ne peut pas avouer au public. Je crois qu'il sera dans son élément chez nous. Il aura droit à l'accueil habituel avec scénario d'otage et jeu psychologique de rigueur. Si tout se passe bien, il sera sur la liste d'agents potentiels pour la lance du désert. Je suis sur les noms que tu m'as envoyés et sur les 18-17, donc des liens anecdotiques. Par contre, j'ai mis le doigt sur une piste monétaire assez intéressante à propos de Skip Baxter, le lobbyiste du parti républicain. 16 compagnies différentes lui ont versé des fonds de réélection. Blablabla, je m'en fous. Oh là, ok. Ah, Mina, c'est celle qui m'a appelé tout à l'heure. Qui c'est qui la stalk? C'est Sean. Okay. Hello? Anybody shooting in here? Agent Thornton. Hello. Hey, you're the one I spoke to when I woke up in the medical bay. Glad that wasn't a hallucination. It may have been. Do you remember my name? Or do I need to write it down for you? Mina, right? That's right. Good to see you've recovered from the medical room with your memory intact. Memory intact? Speaking of which, I don't remember where I left my keys or my passport. Confiscating personal items is quite routine. I wouldn't worry about that. But let's get down to the task at hand. Provocateur. Non, professionnel. On va rester pro. All right. What's the next step? Just head through the door to the firing range, and I'll keep in contact with you over the earpiece. Head over to the table, get your weapons, and we can begin. The standard field agent package includes a pistol, SMG, shotgun, and assault rifle. Each has its strengths and weaknesses. Let's start with the pistol. Equip the pistol. Then aim down range and take some shots at the target. On dirait l'entraînement de Vera Jones. Good aim. Now, steady your aim for a few seconds. Then fire. Precision shots can take down a target quickly. D'accord. Là, je savais pas ça. D'accord. Almost. Ah, presque. Ok, j'ai pas laissé assez longtemps. Ah. Now, let's move on to the submachine gun. Elle est où? Là? Ah. Now let's empty the clip. Let you get a feel for the recoil. En l'autre. Now take cover.
still using cover, take some shots at the target. Accuracy is terrible when firing blind, but it can get the job done, eventually. Mais ouais, je vais essayer de rester. Ah, on peut faire ça aussi, d'accord. Ah, mais c'est pété ça! I've unlocked the door to the tactical range on your right. Let's see how you do against some moving targets. Submachine guns. If you're trapped in close quarters with multiple opponents, the SMGs can help clear the room quickly. Not subtle or quiet, but... Attends-moi. Watch for attackers from above. They may be out of reach, but not rifle range. That's it. Take the ladder, head up and back. All done. Ok, on s'est tiré. J'ai déjà fait le jeu, mais finalement, j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Darcy? Ah, Sean. Our tech instructor, very insecure. He is. Here I thought we were going to be such good friends. As soon as he knew you were talking to me, Mike, he was in here in a second. In case he saw you as a challenge for my affections. It's like a cage match with you boys. C'est quoi mon score? So how'd I do on the course? Calling it up now. Ouais, ça doit pas être terrible. I think you might still be feeling the effects of the drugs. It's definitely affecting your aim. You can give it another run if you want. Oh non, c'est bon. The course should be free. I'll pass. Very well. I'll log your score. I'll have the results sent to your handler, and Westridge can give the rest of your evaluation, provided you've completed the other tests. Il y a d'autres entraînements? C'est quoi ça? Mikey, be with you in a moment. I'm just setting some things up here. On est Rast Pro. Ah, c'est lui. OK. Good to meet you, agent. What do you need me to do? We'll be firing up the exercise in a second. For now, just stand there and be quiet, Mikey. Shouldn't be much longer. And here we go. Green light. Ok, je l'aime pas lui.
I'm glad you finally showed up. Thought you might have gotten lost on the way here. Or were too busy beating up some more guards. Neither. Just surveying the area, actually. Checking out the facility. Yeah, sure. Oh, by the way, not a good idea. Hitting the guards, I mean. The ones here have a lot of time on their hands, and that means a lot of time to hold grudges. I'll keep that in mind, but I wasn't expecting to be drugged and attacked. A good agent's ready for anything, Mikey. But enough chit-chat. We got a lot of work ahead of us. Well, you do. I'm mostly here as an observer. I'll be doing your evaluation, too. What's that out there? A used car lot? A target range for you. For me, more like a shooting gallery. Head out the door there and we'll get started. All right, then. Open the locker and equip yourself. If you use them all, just come back and grab some more. All right, everyone's favorite. Grenades. Let's see that arm of yours. Go on. Start checking them. They're concussion rounds, so don't be skittish. They sting, not kill. Ah, d'accord. All right, now how about something more challenging? Try a ricochet to hit the target behind the wall. Lob it behind the target and use the wall for a hook shot. Oh, merde. Now, try and get one through the window. Now for some fireworks. Try and chuck one beneath the truck and take out the gas tank. Dessous, il a dit. Merde. Ah. Never get tired of that one. Now, see that electronic lock there? Use your EMP grenade to shut it down. It can save you time in the field. Merde, faut faire quoi? Mais faut faire quoi? Bah, je suis bloqué. Ah. Ah, d'accord. J'avais mal lu. Just in time. Hey Darcy, open up. Guess some of the other guards will be pulling double shifts for a while. You know those guards you beat up when you got out of medical? Yeah, well, they're gonna be joining us in a second. You've got a head start, so if I were you, I'd set an ambush. Just start running. Me, I'd use the mines. That's what they're for. Just give me a first shot at them. Thank you.
Salut, Spipers. C'est pas mal les grenades, c'est pas mal. So Mikey, you did all right on the basic run. You looking to give it another shot, Mikey? Maybe some other time, Darcy. I just want to get out of here and get my assignment. You're lost then. Ouais, il est un peu vieux. Alors c'est un jeu qui est plus du tout... Si je l'ai pris sur PC, moi je l'ai fait sur PS3 il y a longtemps, mais j'ai plus beaucoup de souvenirs. C'est vraiment un sous-MGS de Sega. Avec un peu des côtés Telltale où c'est que t'as des dialogues et tu peux choisir ce que tu réponds. Ça a une petite importance dans le jeu, enfin quand même pas mal d'embranchements. Et c'est aussi un RPG. Tu gagnes de l'expérience et tu peux améliorer tes compétences en flingue, tes compétences en combat, tes compétences en sabotage, tes compétences en arts martiaux, je sais plus si je l'ai dit. Là, je suis encore au tuto. Et ouais, le jeu, avant il était sur Steam, mais il est plus sur Steam parce que Sega a plus les droits pour certaines musiques. Et il est plus du tout mis à jour parce que le CD, quand tu mets le code de validation, ça marche pas. T'es obligé de télécharger un patch que Sega ne fournit plus sur leur site officiel. Faut un peu le trouver sur internet. Pour faire tourner le jeu sur PC. Bon, ça se trouve, hein, mais... Je l'avais acheté pas cher sur PS3. Alors, c'est vraiment un sous-MGS. Hein. Ça n'a rien à voir avec MGS au niveau qualité, mais... J'avais bien aimé quand je l'avais fait. Et je crois que le jeu, il est pas si long parce qu'il y a tellement d'embranchements. Puis ils ont fait un jeu pas trop long pour te forcer à le faire plusieurs fois. Je l'avais fait qu'une fois. Et j'avais été assez bourrin quand je l'avais fait. Donc tu peux vraiment choisir, hein, si tu améliores tes armes, tu deviens un gros bourrin. You guys must have spent a fortune on the TVs in this place. You all done? You tell me. Now you're learning. I have to admit I was worried whether we'd be able to... Ouais, il y a des histoires de tétre. On peut choisir, bah là c'est vraiment que le début, on peut choisir le ton qu'on va... Ouais, avec lui je vais être assez respectueux, je pense que... I'm still brushing up on my skills. Mina's a good teacher. I just need to be a better student. Ah, je vais essayer de pas faire de trop. She has a good eye for potential. I'll let her know your thoughts. Looks like that's it for the physical evaluation. Now for the hard part. Tell me why you're here. Not everyone gets chosen for this line of work, but you volunteered. Usually we have to ask. You ever had an intern position at a government agency? I have. Need I say more? All my exercise was moving papers from desk to desk. I'm here to do work, not sit back and manage it. I want to be out where the action is. I want to make a difference. What makes you think you're ready? Because I tell you, we get a lot of recruits in here, and you're not convincing me. My opinion isn't important. Yours is. Not out in the field, and not when you're dealing directly with others. Then your opinion is all that counts. Beyond the guns, tech, and sneaking around in the dark, there's one last part of this job that nobody else here quite gets. I'm listening. Good. Because listening is a large part of it. The way you talk to people, your attitude. That's what we're going to discuss now. I'm not sure I understand. Is there something wrong with how I deal with people? No, believe it or not, you're not here because you're a people person. You're here because your psych profile says you're skilled at manipulating. Salut Nelimo. Was that a compliment? You'll see. Je sais pas si tu le connais, ce jeu-là. Definitely affects what people think of you. Je vais rester respectueux avec lui, c'est mon supérieur. And if I want to impress them, you don't always want to or need to. Having a good or bad rep with someone can actually gain you different benefits. Je l'avais fait il y a longtemps sur PS3, je l'avais acheté pas cher dans un truc d'occasion. Merde, j'ai pas regardé ce qu'il y avait écrit. J'avais bien aimé, mais je l'avais fait super bourrin. Bah j'en ai un bon souvenir. J'ai regardé une run il y a pas longtemps et puis ça m'a rappelé le jeu. Alors le run, la run, on voyait pas grand chose du jeu vu qu'on passe toutes les cinématiques et tout ça.
Et du coup, sur PC, c'est super dur. Enfin, c'est pas Deadly Premonition non plus, mais c'est un peu chiant de le faire tourner sur PC parce que Sega il a complètement abandonné le jeu. Il est plus sur Steam parce qu'il y a des problèmes de musique, de droits musicaux. Et normalement, il y a un patch aussi pour le faire marcher. Et il est plus disponible sur le site de Sega, le patch. Il faut un peu fouiller le net pour le trouver. Après, il tourne bien. Alors, j'aurais pu capturer ma PS3 aussi, mais bon. Puis, ce qu'il y a, c'est que le jeu souffre quand même un peu de la comparaison avec MGS. C'est vraiment un sous-MGS quand même. Mais il y a le côté RPG, le côté discussion qui n'y a pas forcément dans MGS, qui est pas mal intéressant. If you don't think I have any more to teach you, then you could just say, I'm done with this. I wouldn't think any less of you. You seem to have the basics down. And if they're a target, why talk to them at all? Sometimes it is better if you shoot first. Still approaching someone to talk to them can allow you to get the drop on them if ah, on peut faire ça, ok. Strike. Use it if you have to, if the conversation isn't going your way. Assuming there's even a way you want the conversation... J'ai voulu séduire, j'ai voulu tenter. So how do I know how someone wants to be treated? At least... Ah oui, d'accord, séduire, c'est pour demander si on peut séduire les gens. Sometimes people will have advice, and intel can help. But there's another way. Read much? Mostly stop signs, which I ignore. Oh, j'aime bien le codec, moi. Ça a peut-être fait son temps, le codec, mais à l'époque, j'aimais bien. Another document that represents total research others have collected on a target, organization, or operation. Alors, je me suis, dans les points de compétence, je me suis spécialisé en furtivité et en sabotage. Je vais essayer de faire une partie furtive, mais de ce que j'ai lu, en fait, furtif, c'est super dur. Et le jeu, enfin, il n'a pas été étudié, mais... disons que l'approche bourrin marche pas mal dans le jeu. Ah, intéressant, ça. Ouais, à l'époque, ça me dérangeait pas, moi, d'avoir des... So when the guns come out, the dossier can come into play. Have you read mine? Several times. You have dossiers on everyone here? Yep, if you can dig them up. You might learn a few things. Sometimes reading a dossier will give you more... Ouais, c'est ça. À l'époque, on avait du temps. Facts to bring up, to shake secrets loose. What about you? You should already know what makes me happy, Mike. And what pisses me off. How do I know when I have the go-ahead to start accessing files? After meeting a target or hearing their name referenced by someone else, you should have a target ID. Then hop onto the database and start doing your homework. You can usually unlock their basic information at that point. Let's start with a simple one. Al Samad. That should be familiar. Et aussi dans le jeu, je me rappelle, il y a beaucoup de choix entre est-ce qu'on tue notre cible ou pas. On peut les laisser vivants. C'était un peu la mode à l'époque. Épargner ou pas épargner. Okay, so I've suffered through your interrogation. I know how to give one if need be. Am I ready or not? We'll see. Meet me in the command center, and I can give you a proper mission briefing. Good, because I'm sick of this room. Trust me, Mike. If it was up to me, you'd never see this interrogation cell again. Je me rappelle plus trop de l'histoire. Recognize him? That Sheikh Ali Shahid, the voice of Al Samad. They say he was responsible for shooting down that airliner in the Middle East. Yeah, he got his hands on some prototype Halbeck technology, a missile with a multi-stage targeting system called Jacob's Ladder. That airliner was his first. Jacob's Ladder, c'est un objet d'Isaac. I've run across them while I was touring the world. They don't exactly keep their hands clean. How did Shahid get his hands on that missile? Missiles. He's got more. He stole them from Halbeck, and we need them back before he gets any more trigger happy. Then we want you to kill him. Merde, understood. Je voulais appuyer sur curieux. The opportunity presents itself. Should I take him alive? If you can. Either way, we want him out of the picture and away from any more taped broadcasts. If I can bring him back here, I will. All right, then. Pack your gear. You're heading to Saudi Arabia. Not coming with me?
I'll be there in spirit, and on video and radio when needed, Agent. And I just got here. Oh, well, I'm gonna miss this place. Il y a sûrement plusieurs fins aussi dans le jeu. I doubt it. Parce que, ouais, ils ont fait pas mal d'embranchements, et je sais que le jeu est pas super long, pour un... comparé à MGS ou un truc comme ça, pour te forcer à le faire plusieurs fois, mais je l'avais fait qu'une fois. Ok, j'ai fait tous les objectifs, blablabla, argent... Ah, j'ai pas gagné d'argent. Après, ça devrait aller dans la moyenne médicale, ouais, ça arrive... Minatang a donné la moyenne à l'agent d'organisation. Je pense que je peux avoir des meilleures notes. Il correspond au profil requis pour trouver les missiles volés à Albeck et éliminer le Sheikh Ali Shahid. Est-ce qu'on fait une run pacifiste? Eh, mais je l'avais... J'avais changé ses... Angry, Mr. Thornton? Because of what happened in Saudi Arabia. Je sais plus si le jeu sur PS3 était aussi joli. Enfin, il a fait il est un peu daté, mais il est pas trop moche le jeu. Ah, mais c'est vrai avec l'autre, le personnage qu'on vient de voir là, qui est... c'est 3 mois plus tard. Le jeu c'est un flashback. J'avais oublié ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas la même coiffure. Salut Kunst. Est-ce que je peux mettre pause? Ouais. Wouah! Non, je vais pas mettre ça dans le dossier du Vertex quand même. Ah, mon PC qui bug. Où est OBS? Non, c'est ordonné. Ah merde, j'ai mis... merde. Personne chez Pilou. Je sais pas s'il va. Il va peut-être streamer Pilou aujourd'hui. Je vais essayer de garder Discord à côté si jamais il lance. There. Not at this time. The area is dug into the side of a canyon, and getting reliable satellite imagery when sandstorms aren't blowing has been almost impossible. We want you to go in alone, recon the area, and shut down their radar and communications. Once that's down, we can call in air support and hit the camp hard. No pressure. And no backup. Get used to it. It's the job. Minamek. Check out your new home yet? It's got some perks you might be interested in. Full security system? A computer with a hub connection so fast you'll feel like you're going back in time. What? Ah, ils ont la fibre. Stone Age? Please. You can do dossier research, encrypted emails, and if need be, access some of the weapons dealers in the area. That'll be done on your own dime, however. Yeah. Using whatever funds you can find in Saudi Arabia. My own money? Are you kidding? We don't want you using PA, c'est quoi PA? Accounts with rival terrorists or weapons dealers. That has a habit of getting back to us. And then Congress calls. There's also a weapons locker in the main living area. Open it up. Help yourself. But use the ammo and armor you think suits the mission. When you're ready to head out, just use the front door. Access the missions from the main terminal.
I'll have already uploaded all the mission specs to your PDA. You can review them at any time. All right, so is that it? Non, ça m'emmerde pas. Ok. Great. Home sweet home. Super, les appartements des agents secrets. Ah oui. Ok. Ah, il y a de l'équipement et tout. Hop. Alors, atténuation du bruit, d'accord. Ah, c'est marrant. On va peut-être quand même prendre ça. Ah, j'ai rien d'autre. Non. Ah, c'est ça que je cherchais. Ah oui, j'ai gagné un point. Ah, mais j'en ai qu'un. J'ai qu'un seul point, ça sert à rien. Donc voilà, on a un arbre de compétences et on peut améliorer nos... D'accord. C'est au choix. Bon, on s'en fout. Ouais, j'imagine que Westrich t'a déjà fait la leçon sur le fait qu'il ne faut pas utiliser les fonds de l'agence pour des missions d'assassinat médiatisées. À partir de dans ton refuge, tu devrais utiliser tout ce que tu peux obtenir, piquer ou voler. Si t'as besoin d'équipement, essaie avec Clearinghouse, c'est un lieu d'échange aux machines noires sur internet. Il y a un vendeur qui s'appelle Mangouste qui devrait pouvoir te fournir l'équipement de base pendant que tu es en Arabie Saoudite. Puisqu'on parle de vol, un de mes contacts dans le gouvernement a déterré une caisse noire d'Al-Samad d'un compte bancaire jordanien. J'ai joint les références pour que tu puisses te connecter et le mot de passe. T'as juste à télécharger les données et l'exécutable auto-extractif te transférera les fonds. Fais-le vite avant que ces amateurs de gouvernement finissent de remplir les papiers et se saisissent du compte. Garde un œil sur d'autres fonds que tu pourrais récupérer pendant ta mission. On ne s'inquiète pas des journalistes, des enquêteurs qui suivent la trace de l'argent dans le monde entier tant que leurs recherches ne mènent pas à Alpha Protocol. Hein, bienvenue parmi nous. Ah bah ils m'ont fait une adresse mail et tout, c'est sympa. Ah faudrait que j'essaie d'envoyer une un mail à M. Thornton. Des fois ils font des petits historiques comme ça. Ne restons pas sur un serveur d'entreprise, j'ai fait un... Ton mot de passe est d'accord. Machin de l'employeur. Ah, tempête de sable pour bientôt. Si tu as besoin de matos, j'ai un contact qui pourrait être utile, il s'appelle Mourad. C'est un mercenaire doublé d'un trafiquant d'armes qui ferait n'importe... Faire affaire avec n'importe qui, tant que l'acheteur a de quoi payer. Et crois-moi, ça vous arrange. Les autres fournisseurs de coin auraient plutôt tendance à liquider le premier gars venu d'un pays de l'OTAN qui se pointe. Mais Mourad montre que le capitalisme est plus fort que le racisme ou la xénophobie. T'allais faire un tour sur Clarinas, en tout cas, je me suis arrangé pour que... Ouais, d'accord. Et j'ai... Ah si, j'ai 5000... J'ai pas besoin de flingue, moi. Enfin, si, mais... Ah, d'accord. Renfort d'articulation. Ah, c'est que le jeu propose pas beaucoup de trucs qui améliorent le bruit, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ah, si, celle-là. Ah, oui, d'accord. Protection d'opération nocturne. Bon, on va tuer des gens ou pas, là? Ah, d'accord, donc je choisis. Poser un mouchoir à l'aérodrome d'Al machin. Inspecter la... Intercepter... On va essayer de poser un mouchoir. Réputation, sympathie avec un bonus encouragement constant. D'après les rapports, Charlie utilisera un aérodrome à l'est de Shizan. Qu'un vol et repart sans te faire repérer. Regardez les autres.
Je l'aime pas, Sean. On a remarqué un pic dans un camp, ce qui suggère des armes et peut-être même des missiles d'Albeck qui ont fait le camp. Ouais, ok. La piste des missiles volée à. Oh. Respect de toutes les compétences télé, moins 10%, d'accord. Moi, j'ai envie de faire ça. Enjoying Saudi Arabia? I've been keeping an eye on your mission. What do you think? I think you're lucky. All I'm seeing are satellite images. Guess that'll have to do. Speaking of which, anything new on Shahid or the other leads? Not much more at the moment. I know Parker and Darcy are trying to dig up as much as they can through contacts and surveillance, though. Anything come up you need my help with? So you've been with Alpha Protocol a while, then? Not as long as Westrage. And not nearly as long as Parker. This assignment with Shahid is probably the biggest one I've been involved in. What other assignments have you been on? I went undercover with Parker. 4 ans, si longtemps que ça. Ah, ouais. It's how we found out the missiles were gone in the first place. Although it was too late to stop Shahid. The incident with the airliner. Well, we'll catch him this time. He won't get another chance. I hope so. I feel like if we'd been a little quicker with analyzing the data. Don't beat yourself up over it. What's done is done. Let's focus on the next step. You're right. We're closing in on him, and it shouldn't be much longer. Still, with Alpha Protocol, what I don't understand is why the United States would want to keep this operation secret. Don't they want Shahid captured? I think it's the missiles that are the problem. Helbeck's a substantial government contractor. The fact the missiles were involved complicates things. Because the missiles are used by the U.S. military? I think the American public would understand if they were stolen. I don't think so. And I think that's why the U.S. wants to keep this quiet. Alpha Protocol does a lot of operations like this. I don't know all of them, or all the names this program has had. It carries out missions without the knowledge of other U.S. agencies. Sounds like it helps get the job done. True enough. It allows us to move quickly when need be. The CIA, the NSA, most congressmen don't even have a clue this program exists. It's designed to prevent red tape. And if it's found out, it just gets buried and renamed. Renamed? To Beta or Gamma Protocol? No clue. Parker probably does. He's been here the longest. Whenever it's in danger of being exposed, it closes shop, and a new one opens up. Interesting. I guess that's good to know. Wonder if I'd get a new name if Alpha Protocol shut down. I don't know. We might get new names, new identities. Or fired. Can you tell me anything about my mission here in Saudi? Probably nothing Westridge hasn't explained already. If you infiltrate the airfield Shahid uses, ah oui, elle a pas d'info de plus, I may have more practical advice. Okay. Why is that? I'll be your handler for that mission. Don't worry. I'll be gentle. I know it's your first time infiltrating an airfield. As long as you're backing me up, I think I'll be in good hands. That's very optimistic of you, Agent Thornton. But I appreciate the trust. Can you tell me anything about Shahid? Not much more than you'd find in his dossier. His personal fortune doubled in 1 year when gas was $4 a gallon. And he likes feeling safe when he travels. What do you mean, safe? While Al-Samad is mostly untrained civilians using Cold War guns, his personal bodyguards are well-trained. And judging from the missile used on the airliner, let's just say he makes sure they have cutting-edge tech. This seems like a big assignment for a new hire. There must have been other candidates. There were other candidates, including Darcy. But the recommendation was based on Parker, Westridge, and me. Although when I made my recommendation, it wasn't about Shahid. It was about the larger mission. So why me? Because I think when given a choice, you're going to choose the people of a country over the heads of state. And that's not a choice many people here would make in the same circumstances. Especially Darcy. Elle aime pas beaucoup Darcy. He has family issues that prevent him from going. Notably his father. According to your dossier, your family isn't an issue. Is that all I am to you? A dossier? Until you arrived at Alpha Protocol, you were. Not anymore. I think you're someone who does what's right. And that's what I'm counting on. That's all I need. Thanks, Mina. You got it. Call me if you need anything else. Je l'ai jamais fait. J'ai vu des streams comme ça, je l'ai jamais fait. Inside. Sure is a lot of security.
tell me about it. There's cameras all over the place. It's bad. But it also means they've got something here worth protecting. Alors faire gaffe les caméras, parce que je crois qu'ils ont dit que quand on les explose, ça déclenche une alarme. Moi j'ai pas mal joué à Hitman, il y a une Hitman 3, il y a une mission que j'ai trouvée géniale. Ah oui. Attention. Mais je prends mon temps dans Hitman 3. Le 2, je l'avais tellement rushé. Je passe plusieurs heures sur une même mission. Il y a un moment, il y a une mission, il faut tuer une vieille. Je l'ai tuée au moins 50 fois, la pauvre vieille. Je l'ai empoisonnée, je l'ai jetée par la fenêtre. Je l'ai étranglée. Je l'ai empoisonnée. Exposed. Got it. I might be able to find a way over it. If you can fly, then you're going to die. I think you'd be surprised. Quoi là-dedans? Alors, j'ai pas envie de spoil, mais il y a une mission que j'ai trouvé vachement bien dans Hitman 3 et c'est une mission que j'avais toujours eu envie d'avoir et là ils l'ont fait. Ouais, je peux passer par les toits peut-être. Oh, il y a une tyrolienne là, d'accord, ça mène où ça? Ouais, d'accord, j'entre par là-bas. J'ai plus confiance par là. Je vais me faire repérer là si... C'est quoi ça? Ah d'accord. J'ai peur qu'il vienne par là lui. S'il retourne là-bas, ça va, mais... Ah, il y en a un autre là. Putain, mais elle est pas super cette échelle là. Non, mais arrête, arrête, arrête. Oh merde! Less thing to worry about later.
Ah merde. Un ordi là-bas. Oh, comme il m'a vu, lui. Bon, ça va. Merde, il est où l'autre? Ah, il est là. And that's that. Good job. You've shut down the hangar cameras. The ones at the tower are on a different circuit though. D'accord. Oh, il y en a un là. Oh merde! Putain, je suis nul au fond. Je l'ai pas vu. Wow. C'était pas une bonne idée. Ouais, je suis loin là. Il est pas piraté? Good job. You've shut down the hangar cameras. The ones at the tower are on a different circuit, though. On va essayer de pas se faire repérer par la mitrailleuse, mais elle regarde vers moi. Faut peut-être pas que je l'attaque, lui.
merde. Mais lève-toi. Mais qu'est-ce que tu plantes là, toi? Oh merde, oh merde. Oh, le con. Ah non, il n'utilise pas le... Ok. Oh, le con. Merde, merde, merde. Relève-toi. Oh. Je peux pas passer par là. Tu vas énerver, toi. Oh mais si, en fait, ok, ça contourne par là. Je peux peut-être monter en haut. Ouais, peut-être plus discret par là-haut. Non, je vais aller là-bas, moi. Je peux pas monter là sur les caisses? Non. Bien. Ah mais je peux monter. Ah.
Merde. Oh, j'ai fait what the fuck. Ah, c'est pas dur. I'm in the control tower now. Look around for any computers. They may have flight records stored on them. We can use to track Shahid. Ok, c'est pas mal ça. Ça, l'approche furtive, c'est. Il y a eu absolument rien de furtif dans mon. Bon niveau, mais... Ok. Pas paniquer. Oh, mais d'accord, il me voit. Ouais, c'est beaucoup de l'infiltration. I'm in the control tower now. Look around for any computers. They may have flight records stored on them. We can use them. Oula. Au moins ils ont pas déclenché l'alarme. J'aurais peut-être pu le prendre plus tard ça. Là, je pensais pas que quelqu'un m'attendait quand j'avais crocheté la serrure. Oh merde. Ah merde. Où sont les trucs qui bougent pas? Dépêche-toi. Ah, ok, il n'y a pas d'exfiltration. Ah, d'accord, ça finit comme ça. 6 sur 6, objectif. Expérience, victime. L'agent est passé dans un tour de contrôle. Et tuer les gardes d'élite de Shahid, qu'ils auraient eu effacé plus tard s'il doit éliminer le chèque. J'ai pas fait exprès de les éliminer. Effet à atteindre quand sa position a été découverte. L'agent Anton a réussi à poser un mouchoir dans un cours de contrôle, à surveiller les acheminements d'Al-Samad dans la région et devrait faciliter l'interception des terroristes. Mike, you made it back from the airfield. I was worried that once you were spotted. Security was heavier than I was expecting. Still, I should have been more careful. I noticed the security. It may be a good sign. It means the airfield is important to Al-Samad. It may be a problem in the future, though. If Shahid feels we're on to him, he'll bring his elite guard in, which could make your upcoming missions more difficult. I'll have to be on my guard then. Not much else to be done. Is the bug transmitting? Loud and clear, no problems. We have Parker and some of the other analysts on it now. Shouldn't be much longer. All right, then. Let me know when she found something. Will do. And again, good job. L'esquive est devenue un acteur lorsque. Si un émetteur de paire. Ah oui, c'est ça, je voulais le prendre, ça. Ce niveau d'habilité au pistolet permet. Ok. Une bonne maîtrise de tes aiguilles te permet de régler la direction de leur explosion. Oui, ça, c'est pour les. Ok. On va prendre un point de pistolet quand même. Je sens qu'on va s'en servir quand même. Peut-être braquer avec rien sur la scie pour un tir critique. Ok. Oui, d'accord, j'ai un. Vous avez pas des armes tranquillisantes dans votre machin là?
objectif, allumer la télé. Ça, c'est le meilleur objectif que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ouais, non, mais ça, c'est la caisse, ok. Pas des armes furtives. Endurance moins 5, ouais, mais... Ah merde, je pouvais... ouais, j'aurais dû l'équiper. Pousser un améliorateur par un contrôle du recul. Trousse de secours, d'accord. Si... permet de dupliquer les ennemis pour qu'ils coupent les alarmes. D'accord, intéressant. Prenez un autre qui détruit les ennemis, ouais. Ah, pas mal ça. On va économiser. Ah, d'accord. Objectif bonus pour la mission. Très bien. Une source anonyme du marché noir propose des informations. Ah. D'accord, on peut avoir des informations sur les missions. Il fait moins de dégâts celui-là. Ah, d'accord. Mais moi, ce que je voudrais bien, c'est ce serait des armes qui... qui font que... Ah bah voilà. Ah, on peut, d'accord. Il n'y a rien pour personnaliser. On peut même pas changer la couleur des cheveux, en fait. Il n'y a que dalle. Allô, la télé. Je regarde la run, j'avais regardé un peu du coin de l'œil, je crois qu'ils font genre tout au fusil à pompe. Non mais Taïwan, ils déclarent l'indépendance tous les deux mois. Ils ont l'habitude maintenant. Non mais c'est... la synchro limbiale n'est pas très... C'était plus elle qui parlait là. Ah merde, c'est fini. Ah ok, là-bas. Ah d'accord, faut faire les trois. Ah ok. C'est pas au choix en fait. Inspecter la réserve. On va faire Nasri à la fin.
On a remarqué un pic d'activité dans un camp de détention d'Alsama dans un, ce qui suggère que le groupe stocke des armes et peut-être même les missiles, ok. D'accord. Équipement semaine ajouté à la de mission. Il suffit de quelques heures pour glisser la patte du fourmilier. Oh, on s'en fout ça. Le contact ainsi est prêt à fournir des instructions spéciales pour désactiver la sécurité. Ah bah on peut faire ça. Ah mais non j'ai pas assez. Réduction des forces ennemies dans la mission. Une agence militaire privée propose des contrats de courte durée au Moyen-Orient. Construction modique, un groupe armé sera envoyé près du site de mission pour attirer les gardes en service. Ah! Ok. Ouais, c'est marrant comment on peut influer sur les missions comme ça, avec l'argent. What's up, Mikey? Problems already? Just checking in. Had some questions about the mission. Vas-y, lui, on va lui mal parler, lui. And you called me instead of Westridge? Lucky me. Been with Alpha Protocol long. Voilà, y a pas vraiment longer quoi than de... you, so yeah, long enough. There a problem? I was just curious how you managed to get this mission instead of me. But if you don't want to tell me, that's fine too. Nothing to say. If you weren't picked, you'd know the reason better than me. Tiens. Right. Well, I hope you okay, don't mess this up. I'd hate to clean up after you. That'll be hard to do with you all the way back at base, training agents. The Alsamod detention camp, where they got the weapon stockpiles. Anything you can tell me? Getting satellite imagery of the area has been hard. My contacts haven't oula, picked up much. Les sous-titres, ils allaient à 2000 à l'heure. And dug into the side of a canyon. Lousy for spying from above. Anything else you can offer? I'd hate to go into this mission blind. Actually, you may not have much choice, so I'm glad you asked. The thing about the camp is weather. Sandstorms are hitting the area pretty hard, which is to your advantage. How? It cuts down visibility for you and them. You need to sneak in before they know you're there. So just wait for the storm to kick up, then take them out. All right, good to know. Oh, one other thing. They've dug in deep, with a maze of tunnels beneath the camp. If they've got any weapons down there, it's gonna be a pain getting to them. So what do you recommend? They probably have as much trouble finding their way around as you do. So follow power lines or work lights when you can. Might guide you to where they've got their stockpiles. Got it. If they use those same routes to move around, shouldn't be too hard to pick them off either. I'll upload what maps I have to your PDA. They probably keep the weapons in the bottom of the base in case they, well, explode. Sounds like you're gonna be my handler when I infiltrate the Asamad camp. Yeah, I got stuck handholding you. Hope that's not a problem. Nothing's wrong, just making sure we're good. Look, orientation's one thing, a mission's another. People think I have an attitude, but it doesn't keep me from doing my job. I admit, I'd rather be on the mission. But you're the one Westridge picked, so let's get this done. That's all I need. See you in the field, Darcy. Mikey, you there? Ah merde, j'ai pas changé de... Sit rep. No radio chatter, no alarms. Looks like you did a good job of getting in under their radar. C'était... Non, c'est peut-être celle-là en fait. Je peux pas. Oh, il y a plutôt un peu. Là, je peux pas changer en fait. Ah, j'ai des trucs. Ok. Storm, use it as cover. That's the idea. Probably won't be that simple, but hey, that's why they sent you instead of me, right?
Ah, j'ai plus de grenades en fait. J'ai tout utilisé à la mission d'avant. On n'est pas rechargé quand. Non mais... Oh, il m'a même pas vu lui. At the camp. They're dug in pretty deep. Any sign of the radio tower? Yeah, it's across the canyon from me. A lot of open ground in between. Try not to get spotted. If you get trapped in there... I know. Ouais, il y a du monde. Des fois, il veut pas se mettre à couvert. Quoi, tu m'as vu? T'as vu quelque chose? Merde. Il m'a pas vu là-bas. Ils ont pas l'air super forts pour repérer les corps au sol. Personne là. Oula. J'aime pas trop ce bruit. For the generator. Should be in a building nearby. Oh, ah oui, d'accord, ça c'est pour couper l'alarme, mais... Personne ici? Oh, c'est bourrin ça. Ah non, ça va.
passer là. Oh merde. Kidding about the tunnels in this place. Got themselves a hell of a maze down here. Servers need power. Find power lines or work lights, then follow them to the source. They need to find their way around as much as you do. Ok, il y en a un là-bas. Il va me repérer. This. Tu sais qui m'a repéré là? Ok. Ah mais en fait ils repèrent pas les corps au sol. Ah ils disparaissent. Cells, mostly storage. If there's time, see if you can get inside. Oh, oula, oula, oula. Sign of the missiles, though. Looks like this place has been cleaned out. Damn. Guess that would have been too much to hope for. All right, get to the computer if you can. On it. Merde. Non, il m'a pas vu. Oh, il y en a plein. Ok, l'ordinateur est là-bas.
Ça marche pas mal l'infiltration, cette mission là. Ah merde, j'aime pas ça. Oh merde. Now. A lot of data here. And this system looks pretty state of the art. Receiving. You weren't kidding. Oh, okay. Back. They probably got guards on the way. These specs look like Halbeck targeting data. Tied into the radio tower. All right, get topside if you can. We could use the help. Looks like we got company. A lot of it. So I'm pinned down. I got a Blackhawk on the way. Meet up with us topside. Ah, c'est chaud. Ils m'ont tous. J'aurais peut-être dû envoyer ma grenade. Là, c'est un point de combat obligé là. Uploading the information now. A lot of data here. And this system looks pretty state of the art. Receiving. You weren't kidding. Watch your back, they probably got guards on the way. These specs look like Halbeck targeting data tied into the radio tower. All right. Get topside if you can. We could use the help. Looks like we got company. A lot of it. So I'm pinned down. I got a Blackhawk on the way. Meet up with us topside. Merde. Oh, pff. Le fusil à pompe, ça fait mal. Mais putain, pourquoi il l'a pas? Mais bouge de là! Ah d'accord, l'autre il a. Allez! Wow. Oh, ils ont pas déclenché l'alarme. Problem.
Oh merde. Ouais, tu le vois là. All right, we're clear. Let's do this. Oh merde. Évidemment, ça pouvait pas être aussi simple. Ça va être chaud. Oh merde, il est là lui. Bon, ça va. Merde, raté. Ah, mais il y a 30 000. Il y a 30 000 gardes. Bon. Good job, Mike. Not bad for the new guy. All the missions go as smoothly as this? You're alive, aren't you? Ah, j'ai fait des victimes quand même. Ah, j'ai des emails, il faut que j'aille voir. Just doing my job. No need to thank me. We recover anything from the camp yet? Some records. Good job digging those out, by the way. Still sorting through it, but... But what? Well, I'm out of the loop on the data recovery. Westridge assigned the analysis to Mina and Parker. We'll see what they dig up. What, you can't check out the data? It was your op, too.
Yeah, I know, huh? Apparently, it's not my job when I can chat with you over a headset instead. Whatever. Baldi and the Ice Queen should be able to get what you need. About the mission. Yeah, what? Is there a problem? No, I just thought you did a good job out there. Well, I admit I'd rather have been the one on that mission. But you're the one Westridge picked, and it's my job to back you up. But I was pretty impressed. You didn't need much help. And hey, maybe next time, you'll be on the headset. Let me know as soon as you find out anything, Darcy. All right, I'll be in touch, Mikey. L'acuité améliore la capacité à percevoir la présence d'un ennemi à sa position. Au niveau expert, Mike n'a même plus besoin d'activer cette compétence. Ah, d'accord. Quand c'est que je vais récupérer ça? Ah oui, d'accord, ça c'est pour... Ok. On s'en sert beaucoup quand même. Gonam, qui t'a vraiment fait du bon boulot, pas d'alarme, pas de bêtises, juste des cadavres de terroristes à enterrer. C'est comme ça que devrait se passer toute mission, entrer comme une ombre, sortir comme un cavalier de l'apocalypse. Juste pour que tu le saches, je ne dis pas que j'aurais pas pu faire mieux à ta place. La prochaine fois, c'est moi qui serai sur le terrain et toi, tu prendras la place du contact. Je confirme que mon char fonctionne à capacité nominale. Tout est... Source anonyme du marché propose des informations sur les... Ouais. J'aime bien ça. Construction boutique, c'est un plan détaillé. Ah bah oui. Ah bah non, mais ça c'est le... Ok. Il n'y a rien de news ou... Non, ce qu'ils disent aux infos. Coalition forces report sporadic outbreaks of violence across the Middle East, believed to be part of a power struggle between rival terrorist organizations. Army spokesman Colonel J. Robert Powers tells INN that a suspected Al-Samad terrorist training camp on the outskirts of Jisun was destroyed yesterday, allegedly in a daring daytime raid by members of the Al-Tahrir sect. Mais non, c'est nous. In Washington today, Senator Patrick Darcy unveiled new legislation. Non, on a déjà vu ça. Ah, d'accord. Ah, c'est une nouvelle mission, ça. D'accord. Mais je vais faire celle-là parce que j'ai acheté des... La piste des missiles volés... Ouais, j'ai acheté des renseignements sur cette mission.
getting to Nasri that much easier. American. Nasri said nothing about an American. I'm not looking to advertise my presence, only to do business. Business, eh? Check with Nasri if you don't believe me. He's waiting for me, and my down payment. I call ahead. Go on through. Can't believe pourquoi il parle comme Batman? Ok, ça c'était... What? Looks like they figured out I was bluffing. Ah, d'accord. Nasri's headquarters are in an old palace up the hill. That's your target. You. Oh, okay. Ah merde, oui, c'est le truc tranquillisant. Oula. Je pense que je vais arrêter vers 4 heures. C'est pas du tout par... Ah, c'est peut-être par là. Je suis pas dans le bon sens, là. Look for alternate ways in. No need to risk a direct confrontation. I'll keep an eye out. Thank you.
Ah. Non mais. Ouf. Je vois pas où faut que j'aille là. Il va me voir là. Où est la flèche? Ah mais c'est derrière moi en fait. C'est par là. Stairs. Comment je vais là-bas? Must we hurry to unload these weapons? Nasri has plenty to display already. Oula, je crois qu'il m'a vu lui. Ok. Il y en a un autre là-bas. Partout à toi.
Ça fait de l'expérience. Mais je dois aller où? Nice collection. Wonder if any of it works. See if there's something you can use. Wow. Merde, le gros de bouton. Thank you.
This should be quick. Give me a sec. You, who are you? Omar Mohammed bin Nasri. By order of the United States government, I'm placing you under arrest. Arrest? For what? No crime here. Nothing involving United States. You are in possession of illegal shoulder-mounted munitions. We'd rather you not sell them on the black market. The missiles? You are too late. Already gone. Sold. You cause all this trouble for nothing. Sold? To who? I take their cash, not their names. You come a few days ago. Maybe you could have killed them instead of my men, eh? Mike, this is bad news. If he's telling the truth. What you do now, huh? Kill me? That not get your missiles back. Mike, we need to know where those missiles went. If we let him go, he could lead us to the people he sold the missiles to. Or they might come after him. Either way, we win. But if he can't lead us to the buyers, then we've let a killer go, and more people will die. Remember that rocket attack in Money, guns, yours, if you let me go. No, we're taking you into custody. A copter will be here to pick you up, and your munitions. What? Look, I pay you. You not hear me, I say, Westridge, I say, delivery. On their way, Mike. Can't risk the consequences of letting him go. We can find the missiles some other way. Fair enough. Search the room, see what you can find. Et on l'a pas tué. Alors, l'agent arrêté Nasri, perturbant le trafic d'armes dans la région, effet, entrave à l'obtention de renseignements dans la région, réduction de l'armement disponible aux terroristes d'Arabie Saoudite, ok. Ah, j'ai débloqué des... La compétence agent de l'ombre permet de se déplacer discrètement, mais elle peut pas être activée. Elle ne peut être activée que si aucun ennemi alerté ne peut te voir. Une fois effectif, tu restes invisible pendant toute sa durée ou jusqu'à ce que tu cours. Utilise une arme ou lance un objet. Pas les appareils que les caméras n'empêchent pas l'ennemi de t'entendre. Ok. J'ai pas compris comment utiliser les compétences. Suspected of supplying terrorist organization Al-Samad was captured by coalition forces earlier this week. Mohammed Omar bin Nasri, based in a remote part of Saudi Arabia, was in possession of over one. Les types qui signent le chèque sont vraiment satisfaits dans ta version d'information. Je veux dire qu'ils ont enfin accepté notre demande d'augmentation de budget. Je suis de bonne humeur, alors je vais faire semblant, juste cette fois, que t'envoyer des fonds ne connaît pas une infraction géante de la sécurité. Télécharge un piège joint sur un compte de bien. Je vais te trouver quelque chose, bien sûr, si tu en parles, il faudra que je te tue. Je rigole. Enfin, presque. Non, on peut pas en avoir d'autres. Salut Neradoc. Ça gagne pas mal, c'est un jeu d'infiltration qui te pousse quand même à faire pas mal d'actions. Je sais pas si tu le connais, ce jeu-là. Je l'avais déjà fait il y a pas mal de temps.
Enfin, pas en stream, mais. Combien ils ont ajouté Ah! Tempo réduite. Ah! Ah merde, j'aurais dû l'acheter ça! Je vais le prendre ça. Ouais, je peux comprendre qu'on peut faire le con sur ce jeu. Équipement supplémentaire ajouté sur le site de la mission 1. L'un de Nasri propose un. Ok. Contre une somme modique, de te faire un plan de. Oui, ça, je vais le prendre ça. Bah en gros, c'est un truc d'espionnage genre MGS, mais avec une grosse partie RPG. Et moi, j'essaye de faire un personnage furtif. Je pense que la première fois que j'avais fait, j'avais été assez bourrin. Et le jeu c'est plus simple en fait le jeu quand t'es bourrin, quand t'es furtif. Ah, d'accord, je peux pas tous les prendre. Des compétences réduites, on va prendre ça. Je pense que je vais arrêter vers 4h pour. J'ai pas envie de streamer toute la journée non plus. J'ai pas regardé si. Ah, il y a une annonce chez Pilou. Je vais regarder ce qu'il a dit. Ah, ok. Ouais, il en a parlé hier sur son stream, ça a l'air marrant. Donc il va faire autre chose sur Direct Impro. C'est pas mal parce que Direct Impro, il n'y avait pas grand-chose en ce moment. Je regarde pas trop les trucs qu'ils font le samedi. Ouais, en fait, il va essayer de faire Slumdog Millionnaire en impro. Et il sera présentateur, en fait. Ça avait l'air marrant. Nous avons confirmé qu'Al-Samad a reçu plusieurs milliers d'Albek. Missiles d'Albek à l'aérodrome. Ok. En soudain, tu as mis les anciens fonds pour qu'ils livrent des marchandises supplémentaires à l'aérodrome. Ah, ok, je vais avoir plus de munitions. Des environs. Ok. Je pense que c'est la dernière mission en Arabie Saoudite. This is it, Mike. We can't let either the missiles or Shahid get past us. Shahid's here to oversee the transport of the missiles. We can kill two birds with one stone. You need to get to the control tower. Check the transport log. Mais il y a déjà des soins là. Once we have those, we can pinpoint the missiles' exact location. So nothing on Savile. Comment j'utilise. Bah ouais, mais j'ai pas compris comment ça s'utilisait les compétences. Ça c'est pour eux. Peut-être comme ça? Non? Non? Oups. Il m'avait vu. Déjà, moi, je veux des palettes tranquillisantes, s'il te plaît. Ah, ok. Oh merde! En vrai, la technique bourrin marche tellement mieux.
Oh merde, j'ai une... Ça a dû faire mal, ça. Hein. Ah, ils sont deux. Ils sont trois. Non, ça va. C'est pour ça qu'il y a des soins juste ici, en fait. Le début est trop chiant, cette mission. Bon, c'est bon, vous me laissez tranquille, là. Bon, faut jamais prendre la porte. Enfin... On peut, mais... Ah mais c'est une mission bourrin en fait celle-là. Non, non, je l'ai en boîte. Moi je l'avais fait sur PS3, j'ai voulu l'avoir sur PC pour faciliter la capture et tout ça. Même si bon, j'aurais pu capturer sur PS3. Et en fait sur PC, Sega a complètement abandonné le jeu. Parce que, alors il y a des problèmes musicaux, ils ont plus les droits, ils ont pas voulu renouveler. Donc il est enlevé de Steam. Et il n'est plus du tout non plus mis à jour sur le site de Sega en fait, parce que le jeu, t'es obligé d'avoir un patch pour pouvoir le lancer, sinon il se lance pas. Et avant, il était disponible sur le site de Sega et maintenant, plus du tout. Je l'ai chopé à pas grand chose sur PC. Et... On va passer par le haut. Oups. Ah mais je reviens sur la map que j'ai fait en premier là. Ah ok. Ok c'est ça, c'est comme ça pour activer une compétence, d'accord. Ouais, j'ai failli le dire. Enfin je l'ai dit plusieurs fois, je me suis dit je vais pas me répéter. Ok, là je les ai contournés. Oula. Il va me voir lui, non? On a un autre en haut là. On a même plus... Ils sont plusieurs en haut là. Merde, il va me voir lui. J'aime pas ça. Quoi? Oh, ouais, ok. Ah, c'était là. Merde, je vois pas. Là. Les missiles aren't anywhere near the runway. Looks like they're being held in a munitions depot in the mountains. Checking the satellite imagery now. Looks like there's a small trail that leads to the rear of the depot. Marking it on your PDA. On it. Y'a pas voir lui? Ok. Il est un peu con, lui. Ah, d'accord. Je sais plus s'il y a des boss dans le jeu. Aussi, un des trucs, une des particularités du jeu, c'est qu'il y a pas mal de dialogues à la Telltale, où on peut faire des choix. Tout à l'heure, il y en a un, je l'ai arrêté au lieu de le tuer ou de l'extorquer des informations. J'aurais peut-être dû extorquer des informations. Oula.
Il m'a pas vu lui. Voilà la caméra, là je vais me faire avoir. Oh! Bon, ils ont dû entendre. Ouais, ils ont entendu. Oh, il m'a vu. Allez! Merde. Discrétion. Ouais, c'est... Mais le jeu, des fois, te pousse. Il y a des missions, c'est tuer tous les gardes. Ah, mais c'est juste là, ok. Sealed off. Must be another way. All right, check out the surrounding buildings. See if there's another route inside. C'est quoi l'autre compétence que j'ai, agent de l'ombre? Quoi, te rend invisible pendant un court instant jusqu'à ce ou jusqu'à ce que tu cours, utilise une arme ou lance un objet. Il peut pas être écrit que c'est ok. Oh, qu'est-ce qu'il commence lui? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouf. Il va bien. Oh merde! Oh! Ouais, c'est... Personne n'a entendu ? I really hope they're expecting a returning patrol. Je déteste ces phases-là, je vois pas... Ah, là, il y en a un. Donc ça va changer. Putain, je vois rien. Oh, ça a pas déclenché dans l'arme d'abandonner. Là, il y en a un. Ah, il est là, l'autre. Bah, ça va, là, je vais... Mais il y a juste certains chiffres qui bougent pas, il faut trouver là où ça bouge pas, mais... Faudrait que j'essaye d'améliorer un petit peu mon sabotage là pour avoir plus de temps sur ces phases là. Je sais pas si... Ouais, ça a dû sortir après, ma premier Mass Effect.
D'accord. Mais comment je vais par là, là? Ah non, il faut que je retourne... Ah où la flèche? Ouais, si, faut que je retourne en arrière en fait. Ouais, on a l'impression qu'il va vraiment se casser la gueule. Feel like I'm back in the detention camp. Il va bien. Oh merde. Ah, il y a une caméra. Ouais, je me souviens plus. Ça fait longtemps que j'ai pas... Enfin, ça fait longtemps. Ouais, bah si. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Mass Effect. Ça m'avait plus marqué qu'Alpha Protocol, mais... J'ai plus trop de souvenirs. Merde! Oh, mais tire pas, toi! Personne ne déclenche d'alarme. Ok, ils ont l'air d'aller bien. Ça, je dois bien faire Mass Effect, même si il y a un remaster qui est prévu. J'ai bien aimé Mass Effect. Quoi. Alors ça aussi, c'est un peu un délire. Oh, ça va. Got a visual on the missiles. Looks like they're being loaded into a convoy outside the warehouse. You need to get to it before they roll out. Once they're mobile, our job gets a lot harder. Yeah, I know. On it. J'ai l'argent, moi. Oula. Bah oui, mais... Mon perso il est nul avec cette arme. Oula, oula, oula. Ah mais d'accord, il y avait ça. Ah mais il y a 30... Ah ok. Ah,
Ah merde, y'a un code. Oula. Merde, je suis couru. Ils sont pas très forts, hein. Je fais un peu ce que je veux. Something is wrong. Have our men come to meet the trucks at the checkpoint with the assault vehicles at once, Shaheed? It's Shaheed. Should I take the shot? No, if we do that, we lose the missiles. But if you can still intercept the convoy, we have a chance. Ah, je crois que c'était la fin de... Damn it. Looks like the convoy's already headed out. The road the convoy's on snakes through the mountains. The foot trails and move fast. You may be able to catch it at the checkpoint. Great day for a jog. Ah mais merde, je peux me planquer là. Ok. J'avais pas vu qu'il y en avait un là. Eh mais... Je me suis gouré de boutons. Running out of time, Mike. I'm on. A lot of ground cover. I'll get there. Oh. Ah d'accord. Ok. Ah non, d'accord, je suis pas mort. Wow. Wow. Okay. Yeah, boss. He's brought friends. They're probably there to meet up with the convoy. You need to take them out now. The trucks will be here any minute. Don't know if he knows you're coming. If you can get behind to his position without being spotted, might be able to prevent him from warning the convoy. Got it. Mais non, 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 je voulais pas faire ça. Attends. J'espère que c'est pas trop loin que ça sauvegarde. Ouais. Up on the top of the bridge. Looks like Shahid's second in command. And he's brought friends. They're probably there to meet up with the convoy. You need to take them out now. The trucks will be here any minute. Don't know if he knows. You're coming. If you can get behind to his position without being spotted. Might be able to prevent him from warning the convoy. Got it.
Il va me voir là. Comment je monte là-haut là ? Là, il va me voir. Il va où? Ouais. Oh merde. Il m'a pas vu lui, si. Ah d'accord. Ah mais si, il m'a vu. Il y a quelqu'un d'autre qui me tirait dessus. Up on the top of the bridge. Looks like Shahid's second in command. And he's brought friends. They're probably there to meet up with the convoy. Ah, mais déjà, il y a ça. You need to take them out now. The trucks will be here any minute. Don't know if he knows you're coming. If you can get behind to his position without being spotted. Might be able to prevent him from warning the convoy. Ah, ça passe pas là. Non mais monte pas là-dessus. Oh, comment il me voit là? Vas-y, je vais retenter. Oh, j'avais tellement bien fait là. J'aurais dû mettre mon agent de l'ombre et aller le... Oh, ok.
qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui, putain. Up on the top of the bridge. Looks like Shahid's second in command. And he's brought friends. They're probably there to meet up with the convoy. You need to take them out now. The trucks will be here any minute. Don't know if he knows you're coming. If you can get behind to his position without being spotted. Might be able to. Oh, il m'a vu. From warning the convoy. Got it. Non, bah refais-le. Oh, je vais l'arrêter à 4 heures. J'essaye de terminer cette mission. Up on the top of the bridge. Looks like Shahid's second in command. And he's brought friends. They're probably there to meet up with the convoy. Ouais, en fait, il me voit. You need to take them out now. The trucks will be here any minute. Don't know if he knows you're coming. If you can get behind to his position without being spotted. Might be able to prevent him from warning the convoy. Got it. Oh merde. Up on the top of the bridge. Looks like Shahid's second in command. And he's brought friends. They're probably up with the convoy. You need to take them out now. The trucks will be here any minute. Oh non, mais non, je l'avais là. Bon, on va se concentrer. Up on the top of the bridge. Looks like Shahid's second in command. And he's my friends. Non mais comment tu t'es planqué là? Mais oh, comment il me voit? C'est chiant parce qu'il est dans mon sens quand. Bon, je vais être obligé d'attendre. Like Shahid's second in command, and he's brought friends. They're probably there to meet up with the convoy. You need to take them out now. The trucks will be here any minute. Mais attends, je peux faire comme ça. Might be able to prevent him from getting the convoy. Got it. Allez, barre-toi, toi. Tu vas où? Ah, mais il m'a vu. Oh non, mais... Ah, il m'a vu aussi. Thank you.
Bah, en vrai, je suis trop nul pour. Ok, je l'ai mindé. Oula. Ah, j'aurais bien voulu l'avoir. Il va bien. Ah, c'est pour ça que le jeu est plus facile avec les armes, parce que t'as des phases d'action obligatoires. C'est chaud. Et j'ai perdu toutes mes vies sur le mini boss. Je pensais que c'était un boss. This is more like it. Time to use some hellbang tech to resolve this problem. Oh merde, il m'a. Ok, faut que je prenne les lance-roquettes, mais putain, mais ils me tirent tous dessus. Non, ah, je suis pas là. This is more like time to use some hellbang tech. Oh, super. Ah non, c'est bon. C'est où les trousses de secours? So, you thought the death of one terrorist leader would somehow fix the world. I had a mission, I carried it out. Yes, and I'd commend you, but you're effectively persona non grata around here. That makes two of us then. There's always one thing I wanted to know. After you killed Shahid, why you did what you did next? Were you trying to find out what happened to your friends? Or were you after me? Trying to bring down Hellback, perhaps? Or maybe you were just cornered, looking for a way out.
your hands not enough? On behalf of the American government, I am here to take you into custody, Shahid. Behalf of America? America answers only to its wealth. Coming from one of the richest men in the Middle East and son of a privileged family, that seems ironic. You are here because America's greed demands it. Your country sleeps at Hellfent's feet like a dog, hungry for its weapons. Save the preaching. I'm here for the missiles you stole. The missiles I stole? They shipped them to me. Then brand me a thief? You said Halbig shipped the missiles to you? Why? I will tell you nothing. If you are ignorant, nothing I say will change your mind. I think you'd be surprised. I suggest you tell me before I let some light shine into that skull of yours. Go ahead, then. Shoot me. If you don't talk, you're going down alone. You want Halbig to get the better of you? They did not get the better of me. I used their weapons. Embarrassed them. They hung you out to dry, Shahid. They gave you weapons, then sent us after you. Right now, you're the loser here, and I'm holding the gun. Besides, if Halbeck's involved, think of all the fun you'll have seeing one of America's biggest companies going down with you. You would turn on Halbig? I don't work for Halbig. Ah, and neither did I. A comforting thought, but it is a lie. You already know something is wrong. The data you found in the detention cells of our camp, that was not stolen missile data. That was given to us. You have two choices. You can believe me or kill me. Halbig uses you, but you do not see their influence. You will. Trust me in this. I believe you. But evidence would help. The missiles are not enough? Perhaps not. I have other information, and I can obtain more. You mean if I let you go? No chance. I give you my word. If you know anything about me, you know I honor a promise when given. When you see Halbig for what it is, I will come back and speak to you again. I will not hide. I will bring proof. All right. I'm willing to see it. What is this proof? Call your agents and tell them I am dead. But to remove yourself from the area first, before they call. Give false coordinates. Unless you wish to speak to your god next. Where are you going? I will contact you. And I think the information I can provide will be worth the time you have spent looking for me. Mike? I'm here. I dealt with Shahid. And the missiles? I've disabled the convoy. I haven't confirmed how many missiles we've recovered. Your first priority is to Westridge? Westridge, do you read me? Mike, get out of there. Mina? I'm tracking multiple missiles homing in on your coordinates. Get out of there. What the hell? Mike. Mike, can you hear me? Yeah. In stereo. Mina? Alive, thank God. You need to get out of there now. I'm on. What's wrong? You're in danger. You need to get out of Saudi Arabia. But Halbig? The missiles? Mike, Halbig is the one that sent the missiles to your location. I think they wanted to erase the evidence of the missiles entirely, and you along with it. Great, so now I'm reduced to being evidence? How did they get these coordinates? That's the other problem. I think they have someone inside Alpha Protocol. And whoever it is fed them the coordinates for the missile strike. Is there a way to track down who had access to my coordinates? Not cleanly, no. But it had to be one of your handlers in Saudi Arabia. Well, that's a short list. I'd like it to be shorter. Comme par hasard. Any facts you can give me? If I knew more, I'd share. No one knows I'm talking to you right now. Je sais plus du tout qui est le traître. Ça pourrait être elle. Fine. So I need to get back to base. Can you get any choppers out here? Mike, you can't come back. What? You're rogue. I checked the feeds. They've already sent out notifications to the intelligence agencies about your status. If they find you, they'll give you up to the government. If they don't kill you first. Wait, what about Alpha Protocol?
That's what the agency is for. To allow agents to carry out ops like this. It's to allow the government to deny ops like this. So that if they're exposed, they can say they had no involvement. Mike, Alpha Protocol is the only thing protecting you right now. Juste la première mission. Juste la première map. Enfin, map. Juste l'Arabie Saoudite. Ah, j'ai pas fait tous les objectifs. J'ai pas gagné beaucoup d'argent. Dordon avait éliminé la plupart des gardiens de Shahid lors de la mission précédente, ce qui explique la narrative à laquelle il a pu atteindre le convoi. Ah oui, ok, ouais. J'ai recommencé 50 fois, mais... Après avoir été Shahid, l'agent Dordon l'a interrogé au sujet du municipal Beck. Les deux hommes se sont mis d'accord pour échanger des informations qui sont transmises ultérieurement. Comment on sauvegarde ? I'm still analyzing the information I got from Shahid, but so far it checks out. He's been busy. So is Halbeck. So there was a connection between Al-Samad and Halbeck. Looks that way. But what worries me is why. According to this, Halbeck's got three targets. Taipei, Rome, and Moscow. Transmitting the information now. Looks like the missiles were shipped through Moscow. Halbeck's got a distributor there, or had one. As for Rome, it looks like an Al-Samad cell was activated, but I don't know why. And in Taipei, Ronald Sung, the president of Taiwan. Someone's been ordered to assassinate him. This doesn't make sense. What does Halbeck hope to gain? A profit. Halbeck wants to raise global tensions, spark a Cold War, and turn the world into their private marketplace. They'll be able to secure military contracts and a steady consumer base for their weapons for years to come, if they succeed. Would be nice if I could actually tell someone. Look, I mean besides you. No one will listen, Mike. Not only are you rogue, but Halbeck's got an inside Alpha Protocol somehow. If you're caught... I know. Execution, imprisonment, possibly another lecture by Westridge. I'm on my own. No, not exactly. They used you. But we can use Alpha Protocol. There's so many levels of secrecy to it. Not even the staff know all the resources the program has. Like? Safe houses, weapons. If you're going after these targets, you'll need a base of operations in each city. I can dig up some spots that aren't listed in any records. Like this one? Better, I think. It sounds like you're going after these targets then. You better believe I am. They screwed me over in Saudi. Now it's time for me to return the favor. All right, Mike. Also, I don't like that they used me to do their dirty work, sending me to kill Shahid and get their merchandise back. No way am I letting them get away with that. Judging from the data, Mike, it may be a good thing. If Halbeck's trying to cause a Cold War... They've made a mistake. They're going to cause a real one. Maintenant que vous effectuez votre première opération, vous devez choisir votre spécialité. Chaque spécialité comprend trois compétences qui peuvent être augmentées jusqu'au maximum de 15 rangs. Sélection de commando, espion ou ingénieur pour te spécialiser en combat, infiltration ou mécanique. De la même façon, vous pouvez choisir agent pour sélectionner trois compétences de manière personnalisée. Tu peux aussi recommander les compétences obtenues jusque-là. Ok. Comment je... Faut que je choisisse une autre. Mais non. Mais...
Mais comment? Mais pourquoi je peux pas me terminer? Ah tiens, je peux me terminer là. Mais en agent, je peux pas. Ouais, bizarre. Moi, je vais me prendre espion. Ah oui, d'accord, ça m'a débloqué. Ah, attends, oui, d'accord, je crois que j'ai compris. Avec agent. Ok. Je vais prendre ça. On va faire comme ça. The reporter, the photographer, Scarlett. You met her leaving Saudi, then in Taipei. But after that, we lost track of her. Guess you've got limits after all. I always wondered how you two happened to meet. Coincidence? I don't know. Ah ok, je peux choisir où je vais. Est-ce que ça a sauvegardé là? Voilà, Moscou. Ce refus pourra servir de base à trouver les missiles perdus quand... Ok. Company. Care to share? No, not really. Same old Saudi Arabia. Not quite like the brochure, huh? I'm Scarlett. Mike. So, Mike, what brings you to this exciting corner of the world? I'm in claims and acquisitions for Halbeck, apparently. I'm still getting a feel for the job. Oh. That was my reaction. Or was that an O, as in I've never heard of Halbeck? Oh, as in the sense of yes, I've heard of Halbeck, military and construction contractor. That name comes up a lot in this region. That's right. So if you're familiar with the area, that would make you a... Those your legs? Other page. Cover story by Scarlet Lake, photojournalist. One of the best. Dangerous work around these parts, I'd imagine. If there's no risk, it's not important. I think you're onto something. Here, call me. I have a lot of contacts in the area. Maybe we can work out a trade. If you should hear anything, of course. If I hear anything juicy, you're the first person I'll call. I appreciate that. Cette rencontre est trop bizarre. You know, there's something about you. Makes me think I might just be sitting next to a headline. Sorry to disappoint you, but I'm just a normal guy. Are you sure? Mostly. Okay, if you say so. Bad things happen to all kinds of people. You might get lucky. Ok, alors elle, Mickaël, elle l'a pas aimé. I'd appreciate that. On peut-être dû me foutre de sa gueule ou... Welcome to Moscow, Mike. How do you like your new apartment? Limited access, secure building, high-speed internet. This will work just fine. Anything else? Oh, il a la fibre. Like the view? Oh yeah, could be a sniper risk. I might have to put up heavy curtains. Always the professional, Mike. All right, down to business then. Do you have a plan of attack for Moscow? I've got a few leads from Saudi to follow up on. We'll see where those take me. Sounds like a solid plan. What will you follow up on first? Not sure yet. The missile launchers were moved through Leningradsky Station. There might be intel there. I've also got a CIA informant codenamed Grigori, and a mob underboss called Lazo. Finding those missiles is important.
although more information would be helpful. But from his file, Grigori looks like the type who would sell information about you to interested parties. Lazo might be able to provide some leads, too. If I go to the train station first, I think I'll figure that out pretty quick. Yeah. When you walk right into an ambush. It's only an ambush if you don't see it coming. I'll be in touch. Oh, j'ai que 2 points. Ambiance plus 10. Ceinture noire. Ah, oh, ok. J'ai tué 10 personnes. J'en ai assommé 106. Bon, je pense que ça a sauvegardé là. On va sauvegarder comme ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je voulais arrêter à 4h, mais plein de cinématiques et tout ça. Je pense que je continuerai. Alors, peut-être demain, peut-être mardi, je sais pas. En tout cas, merci d'avoir suivi. Et on se retrouve plus tard. Bon, finalement, je vais continuer le jeu. J'avais peur qu'il ait vieilli ou truc comme ça, que mes souvenirs étaient un peu erronés, mais bon, je pense que je vais le continuer. A plus. On a pas mal de boulot en ce moment. Enfin, je voulais rentrer chez moi parce que je suis pas rentré à Noël et il y a plein de trucs qui nous tombent dessus petit à petit. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Je sais pas quand je vais rentrer. Je voudrais bien rentrer aussi. Mais bon, ça on verra plus tard. En attendant, portez-vous bien.